Je m'appelle Saïd Sadouni, j'ai 29 J'habite dans le quartier du Neuf à Strasbourg et j'ai la maladie d'Hirschsprung. Bonjour. La maladie de Hirschsprung est l'une des plus fréquentes malformations du tube digestif. Elle se résulte d'une anomalie du développement du système nerveux. Pour faire simple, la personne peut se souiller Oh, ça pue par les ici! selles sans s'en apercevoir. Ma maladie est toujours là, elle peut être gênante. Je dois vivre avec. J'ai déjà une maladie compliquée et en plus, je consommais de la drogue douce, ça régulièrement. T'en veux? Depuis le décès de mon oncle, j'ai arrêté de consommer. J'ai intégré les ZAT en 2004. 6 mois après, j'ai eu une mise à pied de 3 jours. Bonjour Saïd. Bonjour. Je voulais être magasinier cariste, mais on m'a mis dans l'atelier menuiserie. Oh, c'est quoi ce vice? Qu'est-ce qu'il me fait là encore là? Mais qu'est-ce que tu veux là? Hein? Qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que même au téléphone, ça fait 2 fois que je te regarde. Et alors? Hein? Tu fais absolument rien ici. Et alors, hein? Si j'ai pas envie de travailler? T'as pas envie? Hein? Mais tu es là pour travailler. Non, bon, si tu veux pas, tu te casses. Fallait une prise de tête pour que je comprenne le fonctionnement de l'établissement. Eh, vas-y. Tonton, je me suis fait virer. Quoi? Tu t'es fait virer? Tu retournes à ton poste et tu vas écouter les moniteurs? Ouais, mais j'ai pas envie. Quoi, tu y vas? Après ma mise à pied, mon oncle m'a dit de reprendre ma vie en main. Depuis ce jour, j'ai décidé d'agir. Comment ça bouger avec l'outil? Au retour de ma mise à pied, on m'a envoyé dans l'atelier textile. Les moniteurs sont gentils, ils m'ont appris beaucoup de choses. Surtout à être à l'écoute des consignes. Ça m'a permis d'évoluer dans l'établissement. Je suis resté 1 an à l'atelier textile, puis on m'a transféré à l'atelier blanchisserie. Pourquoi il travaille à la blanchisserie? Ça fait un bouffi ça! Ma famille n'a pas très bien compris qu'un homme travaille en blanchisserie. C'est le boulot d'une femme, mais il se trompe. J'aime travailler dans cette équipe, c'est très intéressant. Mais au fond de moi-même, je pensais toujours au métier de cariste. Après un examen de conduite, j'étais apte de passer ma licence cariste. J'ai réussi cette formation même si je ne sais pas lire. Bonjour Saïd. Bonjour. Je vous ai fait... convoqué. Un matin, la chargée de projet m'a dit de faire un détachement en milieu ordinaire. Mais c'est une entreprise de prestige. Elle m'a donné le nom de l'entreprise. J'ai été fier de représenter l'établissement. Ma vie, c'est comme la vie d'une chenille qui cherche à se nourrir pour faire son cocon. Avec le temps et l'expérience, la chrysalide devient papillon pour s'envoler vers l'autonomie. Aujourd'hui, je suis une personne comme tout le monde, certes avec un handicap, mais j'ai les mêmes envies que les autres.